des manifestations, on a eu des rassemblements comme on n'en a jamais vu. Moi, je viens de Montélimar, c'est une petite ville, il y a moins de 40 000 habitants. On n'est pas vraiment, c'est là-bas la ville qui bouge le plus. Il n'y a jamais eu autant de manifestants à Montélimar qu'on n'en a jamais vu autant. Les gens sont rassemblés, ils sont pour le coup tous unis, je pense, contre cette réforme, ou en tout cas une majorité de Français. Et être pas écouté comme ça, ne même pas laisser nos députés voter, les gens pour qui on a voté nous pour nous représenter, c'est nier la démocratie. C'est lamentable. C'est lamentable. Monsieur Macron n'entend pas que le peuple est dans la rue. Il n'écoute pas. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai pas envie que mon fils, il travaille, il a fait des études. J'ai pas envie qu'il travaille jusqu'à 67, 68 ans, puisqu'il faudra qu'il aille chercher 176 trimestres. Faites le compte, vous allez voir. Vas-y, go. Plusieurs fois, on t'a dit, tu t'en vas maintenant, tu restes pas là. Je suis là.